Et nous débutons cette édition avec la crise syrienne. 18 combattants ont été tués lors d'une explosion de voiture piégée qui a touché un groupe d'insurgés syriens dans la province sud du Kounetra. De sources rebelles, l'attentat a été perpétré par des islamistes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'explosion s'est produite dans le village d'Alisha et a touché un bastion du groupe de l'armée syrienne libre. Pendant ce temps, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que l'accord de cessez-le-feu a été enfreint 31 fois ces 3 derniers jours.